Raphaël, bonjour, rebonjour à toi. On est de Bonjour. nouveau donc à Paddy Park, ici dans le Lot. Et aujourd'hui, vidéo spéciale, puisque on est en train de présenter un serpent star, on peut le dire, un serpent ultra connu. Un serpent mythique. Un serpent mythique plus que connu d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Parce Oui. que finalement, c'est un serpent dont tout le monde connaît le nom. Je pense que si tu demandes, tu sais, à des gens de citer trois serpents, il va ressortir très fréquemment. Et Ouais. pourtant, on ne connaît pas grand-chose de lui, très honnêtement. Et non, il y a beaucoup de mythes et de légendes sur cet animal, ouais. On est bien d'accord. Ce serpent, du coup, donc, c'est Enectes murinus, Oui, l'anaconda vert. tout à fait. Eh bien, écoute, je vais commencer par te poser la question toute bête. Est-ce que tu peux nous présenter cet animal rapidement? De là où il vient, ses conditions d'habitation, enfin, dans le milieu naturel, Ouais. etc., etc. Alors, anaconda vert, Enectes murinus, comme tu l'as si bien précisé, le plus gros serpent au monde. Alors, quand je dis le plus gros, c'est en termes de diamètre et de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'espèce la plus longue. Puisque les murinus, quand ils dépassent les 6 mètres, c'est déjà des animaux relativement imposants. On les pense susceptibles d'atteindre 7 mètres, 7 mètres 50 quand on a affaire à une femelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a Python reticulatus, donc Malayo Python reticulatus, qui lui est susceptible d'atteindre soi-disant 10 mètres. Alors une chose est sûre, c'est que des spécimens de 6-7 mètres C'est existent, déjà, ouais. voilà. Mais voilà, on le pense susceptible de devenir plus grand. Le murinus, lui, par contre, est un animal relativement massif. Donc c'est un animal qui peut atteindre des diamètres assez impressionnants et des poids assez impressionnants. C'est un petit peu pour ça aussi, d'ailleurs, que c'est un animal qui est vraiment inféodé au milieu aquatique. Pourquoi? Parce qu'il a une telle masse à promener, en fait, qu'il est beaucoup plus C'est plus facile facile pour pour lui, lui, quoi. effectivement, de se déplacer dans Il y a l'eau ou déjà le de poids un peu nager, porté. Enfin, voilà. voilà, que de se déplacer sur la terre ferme. Il n'empêche que ce sont des animaux qui ne dédaignent pas non plus aller sur les berges ou voire même se percher. Quand ils sont juvéniles, ils ont effectivement tendance à se percher beaucoup plus que des individus adultes. Mais on peut parfois les croiser perchés dans la nature, il n'y a aucun problème. Alors justement, donc tu l'as dit, donc c'est un serpent qui va vivre surtout dans un milieu vraiment aquatique. Oui. On va le retrouver dans des. Enfin, du coup, donc Amérique du Sud, globalement, un peu partout, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et du coup, ça va être un serpent qu'on va retrouver souvent sous des eaux un peu pareilles, un peu boueuses, un peu, enfin, qui va aimer ce genre de biotope. Oui, on peut le retrouver dans des endroits où l'eau stagne, mais on peut aussi le retrouver dans l'Amazone. Vous avez d'ailleurs des vidéos avec des géants, là, pour le coup, qu'on trouve Oui, facilement sur Internet. tout à fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mythes et de légendes sur cet animal, dû à ses tailles effectivement assez impressionnantes. C'est un animal qui peut effectivement, quand il a atteint une certaine taille, s'attaquer à de grosses proies. Il n'est pas rare que dans la nature, des grosses femelles prédatent des capybaras. Capybara, c'est ce qu'on appelle vulgairement le cabiai, c'est en quelque sorte un gros cochon d'Inde C'est ça, aquatique. oui. C'est Je vous des ai une animaux qui photo de peuvent capybara. atteindre 30-35 kilos pour un beau capybara, donc ils peuvent ingérer quand même des grosses proies. On Ils a peuvent. aussi des jaguars, des fois, Ça peut arriver. et même certains Des caïmans. caïmans. Voilà, c'est ça. Ouais, Il y a pas caïmans. mal d'images comme ça qu'on peut trouver avec une Ouais. constriction sur un caïman. Exactement. Caïmans à lunettes, il n'est pas rare qu'il y ait des prédations sur des caïmans à lunettes. À l'inverse, les caïmans à lunettes prédatent aussi des jeunes Enectes murinus. Donc c'est la chaîne alimentaire dans le milieu naturel. Hein. En fonction de la taille, ben, on prédate ce qu'on peut bien évidemment ingérer. Alors là, on a Enectes murinus. Oui. C'est, je crois, le plus massif, si je ne dis pas de Oui, bêtises. c'est Alors, ça. pas ton animal à toi, C'est puisque un là, en gros, bébé. là, on est sur un juvénile, véritablement. Voilà. Elle mesure combien, juste déjà, à l'heure actuelle? Je ne sais pas, elle doit faire aux alentours d'un mètre, 1,20 m. Voilà. Et elle a quel âge, du coup? 1 an et demi à peu près. Donc ce n'est pas un animal qu'on a boosté non plus parce que ce n'est pas notre philosophie, Non, non. mais c'est un animal qui mange à une fréquence tout à fait normale. Et alors, du coup, donc, il y a deux autres sous-espèces, tu me disais, une qu'on connaît un peu plus. Enectes noteus, l'anaconda jaune, Voilà. et une dont on parle très peu. Et bon, alors tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le fait que cette sous-espèce éventuellement existe, mais effectivement, quand on tombe sur certains clichés, on peut se rendre compte qu'ils ne se ressemblent ni avec Enectes noteus, ni avec Enectes murinus. C'est Enectes deschoenzi. Donc, ça, c'est pareil, si vous avez l'occasion de chercher un peu sur Internet, vous trouverez. Encore une fois, ça montre bien tout le chemin qui reste à parcourir en fait pour découvrir ces animaux. Parce que Exactement. même si jamais ils fascinent, en fait, on se rend compte que bah, on n'est même pas au courant véritablement du nombre de sous-espèces que tu as, quoi. Tout à fait, ouais. Une Là, autre c'est des chose. espèces à proprement dites, hein. Ouais, Voilà. d'accord. Autre chose, je reviens un petit peu sur ce côté un peu mythique. Oui. Parce que forcément, quand on évoque les anacondas, tu sais, il y a ce truc. Moi, pour moi, le côté mythique, il vient aussi du fait de la relation finalement de l'homme par rapport à lui, et Oui. notamment la relation
est-ce que l'anaconda est mangeur d'hommes, tu vois. C'est souvent un truc, il y a eu des films qui ont été faits là-dessus, t'as eu... Bon, on va pas se mentir, je crois que tu vas, alors, peut-être en décevoir certains, en rassurer d'autres. Je te laisse donner la réponse. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'acte de prédation de Nectes Murinus sur l'homme. Il y a eu effectivement peut-être des confusions, des amalgames faits dans la nature, mais encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas rien de prouvé. Voilà. Il n'y a rien de prouvé en termes d'ingestion. Voilà. Par contre, en ce qui concerne les réticulés, il y a eu des cas avérés, semble-t-il. Voilà, donc ça, c'est un peu la différence. Par contre, effectivement, ils sont susceptibles d'ingérer quand même de très grosses proies, comme je disais tout à l'heure, hein, 35-40 kilos, ouais. C'est pas impossible. C'est clairement, Y a du cochon aussi sauvage dans ces régions-là, et on en a déjà vu ingérer des cochons sauvages, et on en a déjà même vu s'en prendre à du bétail, à des veaux. Voilà. Mm. Alors les gens qui vous diront, moi j'ai déjà vu un anaconda sur une vidéo régurgiter un hippopotame ou... Alors déjà l'hippopotame et l'anaconda vert ne vivent pas dans les mêmes endroits, donc c'est improbable. Et deuxièmement, ce que vous avez pu voir, c'est peut-être éventuellement un murinus qui régurgite un capybara. Peut-être. Parce que les pattes, c'est vrai qu'une fois qu'ils sont mouillés, ça peut ressembler à des pattes d'hippopotame, mais en aucun cas c'est le cas. Mais encore une fois, voilà, on est vraiment sur ce côté mythologique, quoi. C'est-à-dire l'animal qui fascine et exactement. Dont on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, les anacondas, ils ont tous la même particularité, c'est que ce sont des animaux qui sont farouches. Et le fait d'être farouche et peureux peut parfois les rendre dangereux. Agressifs. Parce qu'ils sont sur la défensive constamment. C'est souvent le cas avec les reptiles, de toute façon. Quand le reptile attaque, finalement, c'est souvent pour défendre plutôt que... Exactement. Et c'est particulièrement le cas chez les Murinus et chez les Nautéus. Bien souvent, il est vrai que si on les aborde sereinement, ça peut très bien se passer. Alors effectivement, quand ils sont jeunes, ils ont une forte tendance à se défendre vivement. Mais on peut expliquer pourquoi aussi, parce qu'ils sont plus susceptibles de subir la prédation. Exactement, ils sont plus petits, on est des grosses bêtes pour eux déjà. Et bien évidemment, même sur de gros individus, le fait d'être abordé par un être humain, ben, défense systématique. Voilà. Là, on peut voir que du coup, tu le manipules doucement, avec deux points d'appui. Exactement. Et que finalement, il n'y a pas du coup de souci par rapport à ça. Vous voyez, il ne faut jamais surprendre un animal, jamais arriver de face, toujours faire attention. Il y a les mains bien en dessous, au final, et là, ça se passe très bien. Exactement. Et donc, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça particulièrement. Non. Moi, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur ton installation un petit peu. Alors, oui. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, on l'a dit, elle fait un mètre, d'accord, elle est petite, etc. Ouais. On voit que du coup, elle a déjà un bel espace, hein, ça c'est pas le problème. Mais moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est déjà, un, peut-être les besoins en règle générale, et deuxièmement, comment est-ce que ça va évoluer pour elle? Parce que forcément, on se doute bien qu'un serpent, quand il va devenir à taille adulte, c'est pas là-dedans que tu pourras le maintenir. Exactement. Donc, il est prévu dans l'année ou dans la deuxième année qui suit de faire une installation spécifique pour un couple de Nectes Murinus. Donc là, ça va se solder par une installation avec un grand bassin, bien évidemment, puisque ce sont des animaux qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, inféodés au milieu aquatique. Donc ils passent quand même beaucoup de temps dans l'eau. Il y aura aussi de la hauteur de façon à ce que ces animaux puissent, s'ils le souhaitent, se percher. Et on va partir sur une installation qui fera environ 10-12 mètres carrés, de façon à pouvoir les loger correctement. Alors on ne va pas partir dans un délire d'une installation immense. Tout simplement parce que le fait de les installer parfois dans de grandes installations, ça peut les stresser. Oui. Donc on préfère éventuellement privilégier une installation un poil plus petite. Mais déjà, je pense que 10-12 mètres carrés, ce sera déjà pas mal. Oui. Et si vraiment on voit que cette femelle prend une ampleur phénoménale, on refera une installation ultérieurement dans quelques années de façon à lui proposer quelque chose de plus grand. Mais on va procéder par étapes. On ne va pas la mettre directement dans une installation trop grande. Ça pourrait générer un stress et dans certains cas, ça peut être même fatal. Moi, j'ai un ami qui récemment avait récupéré un gros Murinus et le simple fait de l'avoir déplacé et de l'avoir mis dans une installation différente, cet animal n'a pas supporté. Autre question, parce que du coup, tu vois là, tu nous parles justement d'acquérir peut-être un mâle, etc. Moi, j'ai une question toute bête, c'est que l'anaconda, alors... Je vous conseille clairement pas de prendre un anaconda chez vous. De toute façon, voilà, sans CDC, encore une fois, on n'en parle même pas. Hein, non, mais... tout à fait. Mais le... globalement, c'est quoi son histoire? Alors cet animal est né en parc. Alors elle est née pas très loin de chez nous, puisqu'elle est née en Dordogne. Elle est née à l'aquarium du Bug, et donc c'est le responsable animalier de l'aquarium du Bug qui me l'a cédé gracieusement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de naissances en acclimatation de cette espèce. Il y a d'autres vivariums français qui l'ont déjà reproduit. Je pense à Fabien Catala au Reptilarium de l'Arzac qui a eu une belle portée.
Donc c'est une espèce qui se reproduit, ma foi, assez bien depuis quelques années. Donc je pense aussi que le caractère des animaux doit, entre guillemets, se calmer au fur et à mesure des générations qu'on a nées en captivité, parce que bien évidemment... C'est plus facile de reproduire des animaux qui sont nés en captivité. Voilà, et puis au niveau tempérament, ils sont un peu différents aussi, je pense. Donc voilà, et de toute façon, si on vient faire acquisition un peu plus tard d'un mâle, ce sera aussi un mâle né en captivité, bien évidemment. Oui, bien sûr. On parle reproduction. Alors, c'est une espèce qui est ovovivipare. C'est pas une ponte d'œufs comme on va pouvoir récolter justement et faire incuber. Ouais. Ils vont être directement, du coup. Bah, ils vont se développer dans le ventre de la maman. C'est ce qu'on appelle une reproduction ovovivipare. Alors, il semblerait que depuis un certain laps de temps, ça ait changé. Certains parlent de viviparité. Moi, je suis un peu de l'ancienne école, donc je continue à parler d'ovoviviparité. Parce que pour moi, ce sont effectivement des œufs qui se développent dans le ventre de la maman. Donc le développement embryonnaire se continue dans le ventre de la maman, de la gestation en fait. C'est une espèce d'incubation interne, tout simplement. Et quand les bébés sont entièrement développés au sein de ces œufs, la maman les expulse. Et les bébés, par réflexe, vont donc redresser la tête. Percer, du coup. Là. Percer cette membrane transparente qui est un œuf. Absorber leurs réserves vitellines et ensuite ils vont pouvoir se débrouiller eux-mêmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les réserves vitellines sont très importantes parce que ça va leur permettre dans la nature de survivre éventuellement 2 mois sans se nourrir. C'est ça. Temps pour eux de trouver leur première proie. En captivité, on parle souvent de l'importance du démarrage des jeunes serpents. Exactement. Mais en fait, dans la nature, c'est pareil. Et là, vous voyez que naturellement, eh bien, chez Nectes murinus, ben, le démarrage, quelque part, il est prévu avec justement ce fameux passage d'absorption du sac. Exactement. Alors dans la nature, on parlait de reproduction. Ce qui a été observé avec un Nectes murinus fréquemment, c'est qu'une femelle qui est prête à se reproduire, en règle générale, dégage des phéromones. Et ces phéromones sont susceptibles d'attirer quantité mâles. De mâles. Mmh. Voilà. Donc il n'est pas rare d'observer dans la nature des espèces de rassemblements de mâles sur une femelle. Et ça, encore une fois, chez les Tamophis, ça fait un point commun avec exactement. On a vu Manitoba. Regardez la vidéo sur Manitoba que je voilà. vous ai fait, tout à fait. Sur les pariétalis. Et je te laisse terminer parce que. Il y a une petite dimension un petit peu appétit, non, des fois, parfois, qui peut se produire. Non, je vais te dire, lors des reproductions, moi, j'ai vu. Oui. Alors, encore une fois, tu vas me confirmer ou pas, mais qu'il pouvait arriver que, vu que la femelle derrière rentre en gestation pour une période de 7 mois, si je ne dis pas de bêtises, assez longue, il pouvait arriver qu'un mâle se faisait ingérer lors du truc. Alors, est-ce que mythe ou réalité? Alors ça, je ne sais pas chez les murinus. Je l'ai jamais, j'ai jamais constaté. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai déjà vu des vidéos. Une femelle qui met ses petits au monde, il n'est pas rare qu'elle mange ce qu'on appelle les slugs, donc les œufs non fécondés. Et il n'est pas rare non plus qu'elle mange les morts-nés. Alors ça, moi, je l'ai observé sur d'autres espèces. Je l'ai observé sur du Corallus ortulanus. Les femelles Corallus ortulanus, régulièrement, s'il y a des œufs non fécondés, elles les ingèrent. Et si un bébé est mort-né, il n'est pas rare qu'elle les ingère aussi. Je pense que c'est une façon de récupérer des protéines rapidement. Et il y a eu le cas aussi chez Corallus caninus, voilà, qui lui aussi n'hésite pas à récupérer de la protéine en mangeant les œufs non fécondés et les bébés morts-nés. On va revenir un petit peu du coup sur la maintenance en tant que telle. Mm-hmm. Du coup, donc, puisqu'on a évoqué un peu le terrain, tu nous as parlé un peu de tes projets. Mm-hmm. Globalement, moi je vais te parler simplement température, je vais te parler des besoins en lumière, je vais te parler de choses comme ça. Ouais. Sur un anaconda vert. Comment c'est pas une espèce qui est forcément difficile à maintenir. C'est plus d'ordre technique par rapport aux installations, parce qu'il faut adapter. C'est la taille, quoi, de, voilà, tout à fait. Après, au niveau maintien, c'est pas non plus hyper sorcier, c'est-à-dire qu'il lui faut un point chaud à 30, 31. Il va falloir que l'animal puisse se réguler lui-même, donc une zone chaude et une zone fraîche, comme dans tout vivarium. Exactement. Exactement. Sur des jeunes individus, on peut sans aucun problème rajouter des branchages en hauteur, parce que les jeunes ne dédaignent pas se percher, au contraire. Et alors après, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vous diront il faut lui mettre un grand bac d'eau de façon à ce qu'elle puisse se baigner régulièrement. Et puis il y en a d'autres qui les maintiennent justement méthode. C'est du plus sec en fait. Exactement, avec juste un petit bac de façon à pouvoir s'abreuver. Ou s'immerger si jamais besoin est, mais sans voilà. Voilà. Mais après, une chose est sûre, c'est que quand l'animal grandit, il va falloir lui proposer un bac dans lequel elle va pouvoir s'immerger. Mais sur de jeunes individus, ça peut ne pas poser de problème d'avoir juste un bac. Alors, chose importante avec les Eunectes, tous. Si c'est un bac sans filtration, il faut surtout renouveler l'eau le plus souvent possible. Si on déféquait dedans, j'imagine. Exactement, ce sont des animaux qui défèquent régulièrement dans l'eau.
Et si on ne fait pas attention, on pourrait avoir des problèmes cutanés qui apparaissent ou des choses comme ça. Les serpents ne s'hydratent pas par la peau. Non. Donc, ils s'hydratent en buvant. Et si on leur propose une eau de qualité et propre régulièrement, ils vont plus facilement boire et s'hydrater. Mmh. Et ça évitera tout un tas de problèmes. Tout à fait. Voilà. Pareil, on peut éventuellement chauffer l'eau sur des grosses installations. Mais qui dit chauffer l'eau dit aussi développement bactérien. Développement bactérien. Voilà. Donc, encore une fois, il faut une grosse filtration. Et dernière chose, c'est que sur des individus de cette taille, bien évidemment, on lui propose une gamelle d'eau ou un bac. Ne jamais placer ce bac sur le point chaud. Toujours pareil, d'accord, on va avoir l'évaporation, une hygrométrie qui va exploser et un développement bactérien qui va devenir... Voilà, et c'est surtout le développement bactérien au niveau du bac qui pose problème. Voilà. Moi, j'avais encore une question, parce que du coup, on est sur un juvénile. Oui. Je voulais savoir, chez beaucoup d'animaux, chez beaucoup de serpents notamment, on observe un changement de comportement, notamment d'un point de vue de la prédation. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir des animaux qui, des fois, vont passer, tu sais, d'une prédation à l'affût, un peu plus jeune parce que, voilà, et à une prédation après plus active en devenant plus adulte. Est-ce que c'est le cas, du coup, chez les Anectes ou pas? Alors, je ne suis pas certain, parce que les jeunes ont plutôt tendance à, effectivement, à se percher. C'est ça, en fait, qui m'a fait penser à ça. Parce que, si tu veux, le fait qu'ils montent un peu, des fois, dans les branches, ça me faisait penser, éventuellement, à une technique vraiment de guet-apens à l'affût, enfin, voilà, quoi. Ouais, alors, je pense que les jeunes, in natura, se nourrissent peut-être plus d'oiseaux ou de micro-mammifères qui se trimballent dans ces hauteurs-là. Et en grandissant, ils sont bien plus souvent dans l'eau, de façon à s'en prendre à des proies peut-être un peu plus grosses, du type poisson, amphibien, éventuellement capybara, éventuellement après caïman et tout le toutime. Avec du coup peut-être une chasse justement un peu plus active, ça se trouve? Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus actifs, je pense plutôt qu'ils sont à l'affût. Ouais, d'accord. Et l'opportunité fait que si une proie passe à bonne distance, ils vont la saisir. La chasse, justement, alors encore une fois, il y a des vidéos là-dessus que vous allez trouver à foison sur Internet. Globalement, son comportement, comment ça va se passer? C'est un constricteur pur et dur. Est-ce que tu peux expliquer Le but d'une constriction, en fait, c'est pas forcément d'étouffer une proie, ça c'est ce qu'on nous dit régulièrement, malheureusement. La constriction, c'est plutôt pour tuer sa proie rapidement. Alors, si vous cherchez à étouffer une proie, vous allez la tuer avec lenteur, mais vous allez la tuer. Mais ça peut durer une éternité. Par contre, si vous exercez une pression énorme au niveau de la cage thoracique, c'est le cœur qui va s'arrêter. C'est ça. Voilà. Donc les proies meurent d'un arrêt cardiaque. Exactement. C'est vrai que c'est souvent la confusion en fait qu'il y a par rapport à ces animaux-là. C'est-à-dire qu'on s'imagine que c'est finalement des animaux qui tuent lentement, alors qu'en réalité, c'est tellement puissant. Que des serpents, c'est que du muscle en réalité. Et donc par conséquent, le fait de serrer comme ça, c'est le cœur qui lâche Exactement. Bien plus vite en fait qu'une simple. Tout à fait. Bien plus rapide justement que Ah oui, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, oui, tout à fait. Ouais. Dans la mesure où on comprime la cage thoracique très 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 fort, tous les organes en fait vont comprimer le cœur et le cœur n'aura plus la place de battre. Donc ça va se solder par un arrêt cardiaque rapide. C'est ça. Tout simplement. En fait, c'est loin d'être un truc qui va durer longtemps, au contraire, d'accord, ça va être assez efficace et rapide. Il n'est pas rare même que certaines proies meurent sous l'impact de la frappe. Ça génère un choc et ça peut, dans certains cas, tuer la proie, ne serait-ce que l'impact. Ouais. On est du coup sur une attaque foudroyante, avec une mâchoire très puissante, avec justement tout ça. Voilà, c'est un animal qui est vraiment fait pour... C'est vraiment un constricteur à proprement dit. Quoi. Mmh. C'est un serpent qui est taillé pour ça. Quoi. Du coup, donc, moi, ce que j'avais envie de te poser encore une fois comme question, cette fois-ci, ça va être l'aspect conservation. Mmh. Tu as donc avec toi donc une juvénile, une Anectes, tu recherches un mâle. Oui. Les projets globalement dans le futur pour Paddy Park par rapport à cette espèce-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore une fois, est-ce qu'il y a aujourd'hui des demandes au niveau des parcs zoologiques en Europe, des échanges, des choses comme ça? Alors effectivement, il y a quelques demandes. C'est pas une espèce non plus qui est, fréquente en parc, mais malgré tout, il y a quand même quelques parcs qui en présentent. Ça vit combien de temps? Je ne sais plus si on l'a... C'est des animaux qui peuvent vivre 25-30 ans. Hein. Voilà, donc forcément, c'est aussi une belle longévité déjà. Et puis qui sont durs à maintenir de par les installations. Exactement, c'est un acte réfléchi. Il y a quelques particuliers qui sont capacitaires aussi pour ces espèces. Donc ça pourra aussi éventuellement finir chez des particuliers si nécessaire. Mais encore une fois, c'est de la conservation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines régions, les Murinus disparaissent. C'est pas non plus à une grande échelle, ça touche vraiment certaines régions. On est confronté à un gros problème dans certains coins là-bas, plus particulièrement la Guyane, c'est que y a beaucoup d'orpailleurs qui utilisent tout un tas de produits très nocifs. Et on a beaucoup d'animaux qui payent le tribut de cette fameuse recherche à l'or. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est le cas du Murinus, c'est le cas aussi d'autres espèces. Hein. Mais le Murinus notamment. Voilà, il est...
moi, je parie que dans quelques années, on a quand même beaucoup d'espèces qui vont être en déclin dans ces régions-là. Parce qu'on a des zones qui sont quand même déboisées, on a beaucoup... Et le fameux continu d'orpailleur, etc. Ah, exactement, ouais. Ils utilisent des quantités de mercure phénoménales. Et ils sont en train de... se retrouvent dans la flotte et dans tout ça. Voilà, ils sont en train de tout flinguer, quoi. J'ai encore une petite question à te poser. Il faut que vous sachiez, pour le côté un peu off, entre guillemets, que lorsque Raphaël, du coup, a pris son Honeptes Myrinus en main, elle a eu un réflexe de défense. C'est pas la morsure? Non. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est comparable avec les tamnophis. Alors, c'est un peu spécifique à beaucoup de serpents aquatiques. Ouais, pas les tamno, mais bon, voilà. Encore une fois, moi, Non, mais c'est bien de faire le lien parce que beaucoup d'espèces le font. C'est particulier aussi à beaucoup de natrix, les tamnophis. Beaucoup et de serpents aquatiques, en fait. Les onectes. Les achistrodons piscivorus le font très, très bien aussi. C'est de déclencher un muscle nauséabonde. C'est une glande qui se trouve au niveau du cloaque. Et ces animaux n'hésitent pas à s'en servir, c'est-à-dire ils vont excréter ce suc qui est malodorant. Voilà. Donc ça peut dissuader un prédateur des fois, parce que les prédateurs peuvent se dire oh, bah, c'est pas consommable, c'est une charogne, ça sent pas bon, je vais pas m'y intéresser. Donc c'est une astuce, une ruse qui peut permettre de... si je peux me permettre, chez les Murinus, c'est relativement gras et ça colle bien. Donc ça sent excessivement fort et ça colle, voilà. Je suis désolé, avec les gestes barrières du Covid, de toute façon, je ne pourrais pas te serrer la main. C'est ça, voilà, donc ça non, une bonne raison, exactement. Mais voilà, en fait, encore une fois, on revient sur la chose. Même c'est des serpents qui fascinent, dont on se dit oh, « la morsure », etc. Mais en réalité, vous voyez que le premier moyen de défense, ça n'a pas du tout été de mordre, ça a été d'éjecter justement ce fameux muscle. Ouais. Et voilà, et au final, on a un serpent derrière qui est très cool une fois maintenu. Et oui, tout à fait. Parfaitement. Et nous, on la manipule quasiment jamais. On la sort juste pour l'entretien courant, c'est-à-dire pour la nettoyer. Pour nettoyer son vivarium, on la remet en place le plus calmement possible. Elle est posée, elle est tranquille, on ne l'a jamais brutalisée, on n'a jamais cherché à aller trop vite, ainsi de suite. Donc quand on respecte les animaux, quelque part, au bout d'un moment, ils vous respectent aussi. Et c'est le cas de cette jeune femelle, quoi. Est-ce que tu vois des choses à rajouter ou est-ce qu'on a été plus ou moins complet? C'est un animal qui est soumis à réglementation, heureusement d'ailleurs. Donc certificat de capacité et puis autorisation d'ouverture d'établissement, ça paraît un petit peu normal. Toutes les espèces de toute façon qui dépassent 3 mètres sont soumises à capacité parce qu'on considère qu'un serpent, un constricteur qui fait 3 mètres ou plus, est un animal qui a une longueur qui correspond à le fait de pouvoir entourer la cage thoracique d'un humain et il a aussi la puissance de déclencher un arrêt cardiaque. Voilà. Donc c'est pour ça que toutes les espèces susceptibles de dépasser 3 mètres sont soumises à CDC. Et l'un dans l'autre, c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est une très bonne chose, effectivement. Alors après, c'est une réglementation française. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. C'est ça. Et il faut faire attention parce que c'est pas un animal à prendre à la légère, sachant la taille qu'il peut atteindre et sachant le comportement qu'il peut aussi avoir par moment. Donc si on a affaire à un animal caractériel, ben, il faut s'en méfier. Et donc voilà, ben, moi je répète la chose que je dis depuis le départ, sur ce genre d'animaux, et ben, écoutez, ne cherchez pas à les obtenir par vous-même. Vous venez rendre visite à Paddy Park, d'accord, ça réouvre à partir du 19 mai. Vous venez rendre visite, vous aurez l'occasion d'admirer voilà, dans son terrarium un magnifique Honeptes Myrinus, de l'avoir en plus évolué sans doute à travers le temps, à travers des installations, d'en parler avec un personnel qui sera compétent et qui pourra répondre à toutes vos questions là-dessus. À très très bientôt sur mon petit Python pour une nouvelle chaîne. On continue notre petit tour à Paddy Park, on continue à vous présenter les trucs. Et puis bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Ciao. À très bientôt.